Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, on est sur la route pour rejoindre Monaco et plus précisément la Turbie, le centre d'entraînement de l'AS Monaco. Nous allons participer à l'Open Days, qui est une animation spécifique que l'AS Monaco a souhaité mettre en place pour pouvoir permettre aux fans, aux supporters, de pouvoir assister à un entraînement ouvert au public, avec bien sûr une séance de dédicace à la fin pour pouvoir rencontrer ses joueurs, mais également assister au match de la réserve, donc le groupe élite qui affrontait le stade Rennais. Nous arrivons donc sur le centre d'entraînement de la Turbie. Comme vous voyez, le décor est juste magnifique. Une fois sur place, vous pouvez assister à de nombreuses animations. Donc vous avez l'AS Monaco Kids Tour qui est là pour animer et surtout faire gagner et amener le sourire à vos enfants. En effet, de nombreux jeux, des questionnaires, cette cible géante qui permet effectivement d'aller chercher et de gagner, par exemple là à l'écran, un maillot, mais également des places, des trous, qui est nécessaire finalement pour ravir nos enfants. Évidemment dimanche pour le match contre l'Orient, qui est bien sûr dans la tribune Moulégou Family. Et je vous évoquerai tout ça tout à l'heure, mais pour l'heure, c'est parti avec la cible géante. Allez, effectivement, bien évidemment, on va faire passer en priorité les enfants, si vous nous le permettez. Comment tu t'appelles? Mia? Allez, viens, Mia. Mia! Mia! Prenez-leur, Mia. En tout cas, t'as des jolies lunettes, Mia. Allez, viens, comment tu t'appelles? Timéo. Allez, Timéo! Tiens, Timéo. Prenez le temps, les enfants. Tiens, Timéo. Prenez le temps de prendre votre élan. Bien sûr. Et comme vous le voyez, nous sommes maintenant sur le terrain d'entraînement numéro 1. Donc le centre d'entraînement de la Turbie qui a totalement été refait, qui est juste magnifique. Les joueurs sont maintenant sur le terrain, donc je vais vous laisser profiter des quelques images de l'entraînement que j'ai pu saisir. Donc j'ai essayé d'en profiter aussi un maximum, mais j'ai essayé de vous filmer pour vous partager cette agréable journée que nous avons pu passer ensemble en famille. S'en suivra après, vous verrez la séance de dédicace, mais je ne peux sincèrement que vous encourager à venir assister à ce genre d'événement puisque c'est très accessible, très familial et l'AS Monaco a tout prévu pour pouvoir satisfaire les petits comme les grands. Vous avez à disposition, on vous offre des drapeaux, des posters afin de les faire dédicacer. Vous avez également accès à une boutique pour pouvoir acheter éventuellement des accessoires que vous souhaitez. Mais vraiment, l'organisation était au top. Tout était prévu. Chaque joueur disposait d'un marqueur pour pouvoir signer n'importe quel autographe, pour pouvoir prendre les photos. Et j'ai énormément apprécié cette proximité qu'il pouvait y avoir puisque tous les joueurs sont passés voir l'intégralité des supporters pour partager ce moment magique, surtout pour les petits, mais même pour les grands, parce que moi-même, effectivement, ben, j'ai pu discuter avec Youssouf Fofana, Wissam Ben Yedder et tout le reste de l'équipe. Je les ai trouvés vraiment au top. Donc bravo à l'AS Monaco pour ce genre d'organisation d'événements. C'est vraiment top et ça fait toujours plaisir à tout le monde. Tac!
Donc là, vous avez les images de l'équipe gagnante et donc de cet avancement. Une très bonne ambiance au sein du groupe. Donc c'était assez marrant à voir puisque ça criait, ça se chamaillait gentiment. Donc c'était vraiment une belle opposition à laquelle nous avons pu assister. Dans quelques instants, nous allons assister justement au premier passage d'un des joueurs pour pouvoir signer les autographes. Donc je vais vous laisser profiter de quelques images que j'ai prises. À très bientôt, mais n'hésitez pas vraiment à venir partager ce genre d'expérience. C'est totalement gratuit, c'est super accessible et les enfants se sont régalés, ont super bien profité de cette belle journée. Comme vous le voyez, l'intégralité des joueurs passe, échangent si on leur pose là des questions, etc. N'hésite vraiment pas à pouvoir avoir le petit mot sympathique pour tout le monde. Donc je vous encourage à venir supporter l'AS Monaco. Nous-mêmes, nous serons là dimanche pour pouvoir supporter le club dans sa tête au podium. Je vous dis à tous les jours pour profiter de ces dernières images. Et n'hésitez pas vraiment à aller sur ce genre d'événement. C'est vraiment magique. Et je vous ai fait le bonheur des grands comme des petits. C'est un plaisir pour les...